méchant de l'internet. Je m'appelle Iconce. Et on se retrouve lundi pour une vidéo compagnie de personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction disponible en ce moment, les amis. Parce que vous, on va pas se mentir, K-Faction, c'est la vie. Aujourd'hui, les amis, on est encore. What the fuck? On est combien de temps? Je me suis connecté quand même longtemps, mais je sais pas combien qu'il y en a. On est 100 personnes à peu près, environ 86 personnes. Et il est. Attends, il est quelle heure en France? On va voir quelle heure qu'il est en France. Ok, ok, checkez ça. 4h42 du matin, les amis. Oh my god, les amis, truc de fou. Donc aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de tourner une vidéo un peu spéciale. Tu sais, normalement, je fais les plus belles bases du serveur, nanana. Mais on va faire la même chose aujourd'hui, mais ça va être des bases unclaimed. Donc, il y aura pas de nom de faction ou quoi. C'est vraiment deux bases unclaimed que j'ai trouvé vraiment sympathiques. Et puis ça se peut que ce soit une vidéo un peu plus courte, mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser des cadeaux dans chacune des petites bases que je vais avoir trouvées. Je sais vraiment pas son acquis, donc je vais laisser un coffre avec un cadeau à l'intérieur parce que je sais pas son acquis. Peut-être qu'il y a des panneaux qu'on va découvrir, etc., qu'on saura c'est acquis. Mais c'est deux bases unclaimed que je trouvais plutôt sympathiques. Une, c'est une full redstone, donc il y a plein de passages secrets, etc., je trouvais vraiment intéressant. Et une autre, c'est une mine aménagée. Donc voilà, on va faire une fois de temps en temps des petits épisodes comme ça. À la place de toujours avoir des factions, on peut avoir parfois des petites bases unclaimed. Donc si vous avez une base unclaimed, laissez un pseudo avec le nom de votre home dans les commentaires. Et puis aussi, si vous voulez que je présente votre faction, les amis, dites-le moi. Je sais que le classement commence à être de plus en plus gros. Il y a beaucoup de factions qui gâchent leurs points. Je sais que la stop et d'autres factions cachent leurs points. Donc, ça va être une grosse bataille pour la première place. Et aussi, je sais pas si je vous en ai parlé, mais on travaille en ce moment beaucoup sur le site web. Donc on va rajouter le classement des points sur le site web. On va aussi rajouter une page de statistiques où vous allez pouvoir voir les membres de l'équipe ainsi que quelques statistiques. Et dans le futur, j'espère qu'on pourra faire un truc genre slash stats et par exemple icons comme ça. Et vous allez pouvoir chacun d'entre vous avoir votre page de stats avec votre grade, vos kills, vos nombres de citrouilles minées, etc. Dans le futur, j'espère que ça va être mis en place. Mais on travaille vraiment excessivement sur le site web. On veut vraiment faire de notre site web un site propre. Et aussi, en jeu, on a corrigé le plus de bugs possible. Et comme d'habitude, le serveur, les amis, le soir, il est à 380, 400 connectés. La limite qu'on a, c'est 400. Donc, si vous avez envie de vous connecter, profitez-en dès maintenant, les amis. Je vous embrasse. C'était Iconce et je vous laisse sur la vidéo. Alors, voilà. Pour le premier home, les amis, c'est, qu'est-ce que je vous disais, une petite mine avec, ici, des spawners à rien. Ça va être deux spawners à golem. J'imagine que le joueur va mettre ici, regardez, ou deux spawners, peu importe le type. Mais s'il veut faire des spawners à golem, il faudra qu'il mette de la lave. Donc on peut voir ici qu'il y a des coffres. Donc c'est plutôt des trucs de build. Ouais, il n'y a pas vraiment grand chose en fait dans les coffres. C'est juste plus pour du grangement, j'ai l'impression. Si on monte par ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est une grotte juste aménagée. Oh, il y a un petit passage ici que j'avais pas remarqué. C'est pas mal tout. Vraiment stylé la grotte. Personnellement, j'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Des escaliers. Et j'aime bien le concept du mineshaft. C'est assez cool. Est-ce qu'on peut aller dessus? Hop là, ouais. Oh! Ah! Ok, il a mis des trucs dans son truc. C'est ici qu'on va mettre un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on pourra lui mettre? On va lui mettre... on va lui mettre une volcanite. Et puis, on va lui mettre aussi un spawner à... À quoi qu'on pourrait lui donner? Un mouton, tiens, on va lui donner... Non, pas un mouton, on va lui donner à vache. Comme ça, il pourra les rajouter dans sa base, et il pourra avoir des trucs nickel dans sa base. Donc, on va lui rajouter ici. Comme ça, il pourra juste le voir s'il écoute mes vidéos. Ensuite, c'est quoi qu'il y a ici? Hop là, on peut... Ok, on peut monter par là. Ok, c'est un petit pont, dans le fond. Dans le fond, ici, ok, mon ami, si t'écoutes ma vidéo, t'aurais pu faire un autre mineshaft ici pour traverser. Ça a été vraiment stylé. Et quand on traverse ici, il y a pas... C'est encore en agrandissement, donc c'est pas encore finalisé. C'est vraiment badass. Et en bas, désolé, oups, en bas ici, c'est quoi qu'on a? Oh, ça continue ici. On va mettre ça, peut-être que... Ah, oh, bah non, peut-être qu'il voulait mettre quelque chose ici. Donc on va lui remettre son bloc de stone. Oh, pareil. J'allais dire, c'est moche, il y a un bloc de truc, mais on sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Oh, ça descend ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, pareil. Il a l'air d'avoir un mob spawner. Si je me trompe pas, ça me semble à ça. Non, je sais vraiment pas c'est quoi. Peut-être qu'à la base, il voulait faire un spawner là, mais en fait, il s'est dit, ouais, non, c'est pas super bon de faire un spawner là. Donc, je sais pas c'est quoi. On a de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ici, on a une fontaine d'eau.
qui amène à rien, ok? Et on a des alambics pour faire des potions. Nice, nice, nice. Ici, il n'y a pas de passage dans l'eau. Ah, si, il y a un passage dans l'eau ici. Whoop-a-day. Non, en fait, c'était pas un passage. Ça serait cool qu'ils mettent des passages comme ça dans l'eau. Ensuite, on monte ici. Qu'est-ce qu'on a? On a encore, j'adore le concept. Comment il a bien agencé, dans le fond, la, les cobblestone walls avec tout le reste. Franchement, bien, bien, bien fait pour toi, mon ami. Comme je t'ai dit dans le coffre, il t'a des surprises si jamais t'écoutes ma vidéo. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième base. Et voilà les amis, je suis à la deuxième base. Avant qu'on passe à la deuxième base, je voulais juste vous dire que pour la note de la base avant, je mets un beau 10 sur 8 parce que je la trouve vraiment magnifique. Malgré qu'il pourrait avoir des passages secrets, des trucs comme ça que moi j'adore personnellement étant un joueur Minecraftier. Donc maintenant on est à la base de... attends, il y a peut-être un panneau. Ça, la spawner, etc. C'est ce que je vous disais. Ah, base... Exotic base. What? Ok, c'est la base d'un gars qui s'appelle Exotic. Je pense que c'est un membre du staff. Ok, donc on commence ici, on a les alenclumes, qu'est-ce que je raconte, les alambics, on a de l'eau ici, nice. Ensuite, ici, ça, la spawner, qu'est-ce qu'on s'est fait? What? Oh! What the fuck, ça l'ouvre toute seule? What? Non, nice! Nice, man! Ici, y'a-t-il un passage secret? Non. Ici, comment on fait? Salle de stockage, oh, y'a encore une plateforme. Puis ici, il stocke quoi? Un DC égale... 1DC 37. What? Ok. Chelou. Ici, on a quoi? Rien. Ok. What the hell? Donc là, on avait ça à spawner. Salle de stockage de cactus. Ok. Il y a sûrement d'autres salles, mais j'arrive pas à les trouver. C'est un labyrinthe ou quoi, ça? Attendez. Il y avait ici, c'était marqué base à exotique, non? Ah oui, c'était ici. Ok. Salle d'enchantement et forge. Nice. Nice table d'enchant, mon amigos. Ensuite, ici, c'est marqué Exotic Base. Y a-t-il un passage secret? Oh, oh, oups, oups, oups. Pardon. Ici, il y a des cactus. On va lui mettre ses cactus dans le coffre, ici. Voilà. Nice. Ok, puis si on descend ici, ça l'amène où? Ok, ça l'amène à la salle d'en bas. Ok, c'est vraiment petit, mais c'est quand même stylé. Donc, on peut voir ses stuff. Il farme beaucoup. C'est un joueur qui farme. On peut voir ses minerais, les items de redstone, son XP, ses livres. Voilà. Et, wow, ok, nice, nice, nice. Nice, nice et nice. Oh shit, il y a beaucoup d'obsidienne et de crypsy. Nice, bon ben, GG à toi, Exotic, c'est une super de belle base. Par exemple, j'aime pas trop le thème. Les blocs un peu mélangés, c'est pas mon truc. En plus, que je crois que t'es dans un biome marais. Donc, c'est pas trop mon truc. Mais, pour les systèmes redstone, je vais te mettre un 5 sur 10. Vraiment stylé. Hey, on va mettre un coffre. Attendez, on va mettre un coffre ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à notre ami exotique? Vu qu'il adore la redstone, on va lui mettre des pistons collants et 16 pistons non collants. Voilà. Et on va lui donner 2 super. On va lui donner 2 notes blocs. Et on va lui donner 2 panneaux solaires. Et en plus, on va terminer avec un spawner à zombie. Tiens, on va lui donner un petit spawner à zombie icons. Boom. Voilà, mon ami. Félicitations. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Je t'embrasse. Et puis, je vous reprends pour une prochaine fois, les amis, pour une nouvelle base tour série. Comme je vous avais dit, les amis, si vous avez envie de voir votre base dans la série, vous avez juste à laisser un commentaire avec le pseudo de votre faction, ainsi que votre pseudo ou le nom de votre home. Et je vais venir visiter tout ça. Sur ce, les amis, encore un gros merci à tout le support que vous apportez sur KaFaction. Il y a énormément de YouTubers qui viennent sur le serveur sans qu'on les ait rémunérés. Il n'y a aucun YouTuber qu'on a rémunéré à part Qxiox, comme j'avais dit que j'avais donné un peu d'argent pour sa première vidéo qu'il a fait sur le serveur. Mais on va pas le repayer dans le futur. C'était juste parce que, bon, voilà, c'était mon ami et je sais qu'il avait besoin d'argent pour un ordinateur. Donc je me suis dit, ouais, on va lui donner 25$ canadiens, ce qui donne à peu près 15€. Donc c'est voilà. Mais sinon, on n'a pas payé aucun YouTuber et le serveur tourne à 400 connectés, c'est juste incroyable et c'est vraiment une aventure formidable avec vous les amis. Et puis on a chaque semaine, presque chaque jour, on essaie de rajouter des trucs sur le serveur. Suivez le forum attentivement dans la catégorie update, vous allez tout pouvoir savoir sur les trucs qu'il y a sur le serveur. C'est vraiment incroyable les amis, et puis j'en suis très 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 reconnaissant et je suis très émotif quand on parle de tout ça parce que c'est juste incroyable. Je pensais jamais que un jour mon serveur à 4h du matin en France, il y aurait encore 80 personnes dessus, etc. C'est juste un truc de fou. Et puis ça, c'est grâce à vous. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, que vous allez mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Icons, ciao.